Sa ligne est élégante. La vénérable abbaye aux dames dissimule bien son côté sombre, hérité de l'histoire. Le secret se cache dans les replis de la pierre. On est où là ? Alors là, nous sommes dans les anciennes caves de l'abbaye. Dans un recoin poussiéreux, trois cachots ont traversé le temps. Ils datent de l'occupation des Prussiens en 1815. Le régiment, dans les anciennes caves de l'abbaye, a fait adapter les cachots pour la discipline militaire. Donc vous voyez, on a refait un cloisonnement en béton on a adapté des barreaux. Les graffitis en témoignent. Les cachots ont ensuite accueilli les fortes têtes des maisons de correction. On ne s'attend pas dans une abbaye bénédictine à trouver ce genre de choses, à trouver des cachots militaires. On ne fait pas le lien. Et donc ça pousse à s'intéresser à l'histoire de l'abbaye aux dames. L'endroit ne figure pas sur le circuit de visite classique. Alors, un petit prisonnier ici. Mais pour les audacieux, la région Normandie, propriétaire des lieux, propose un petit séjour à l'ombre. Ça a son charme d'époque. L'endroit se prête idéalement à un jeu d'évasion. Alors c'est parti, je retourne le sablier. Vous avez une heure. Les participants doivent évidemment résoudre une énigme. Ok, merci Pierre, bien joué. Les indices permettront de recouvrer la liberté, c'est le principe de l'escape game. C'est effectivement assez insolite. Une heure là-bas, ici, je ne sais pas si on va tenir. Les gars, vous trouvez autre chose ? Je voudrais bien m'échapper d'ici, parce que c'est pas super d'être prisonnier. Aux dernières nouvelles, les joueurs ont toujours fini par retrouver les clés. Personne n'est resté enfermé.